petite Salut, menace. salut! Vous devez vous demander ce qui s'est passé. Oh oui. Piche, est-ce que tu peux me laisser Oui, tranquille? je tiens la perche. Bon, alors, en fait, on a raté 2 ou 3 jours de vlog parce que j'ai été. En fait, le lendemain, on a vlogué. En fait, dans la nuit, genre 3 heures avant le shooting, à 4 heures du matin, j'ai eu la gastro. Et ça commence à aller mieux depuis le dernier. Ah non, c'est dans la rue. Putain, j'ai peur. Je croyais que c'était le Ça, ventilateur moi au aussi, plafond. j'ai envie de me couper la tête à la version, enfin, tu sais, un peu Ouais, il destination descend, le finale. crack, il nous coupe Ouais, la tête. Mais c'est non. clair. Sauf que tout à l'heure, je suis montée sur le lit pour me voir dans le miroir et j'ai failli faire couper la tête, j'avais oublié. D'un coup, je suis sentie. Oula, on va se détendre tout de On suite. va redescendre. Donc voilà, en gros, j'ai chopé la gastro à 4 h du matin, il y a 3 jours donc. Enfin, aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et j'ai commencé à me sentir mieux dans le 3e avion hier. Et hier, en plus, on avait un vol d'1 h où on était ensemble. Et ensuite, on avait un vol de 9 h où on n'était pas censé être à côté. Et un vol de 6 h où on n'était pas censé être à côté. Et moi, j'étais malade, genre comme un chien, quoi. C'était vraiment une Ouais. grosse gastro. Bon. Et on a réussi à se mettre à côté quand même. Mais franchement, c'était chouette parce qu'à chaque fois, les gens, ils étaient genre. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ils Donc ouais, à chaque étaient. fois on a réussi à changer de place, donc De bon, ça allait. justesse, ouais. Et le dernier, je me Et suis le endormie. dernier, on s'est endormis tous les deux. Et du coup, Tanguy, il a dormi. Toi, t'as dormi genre 3-4 heures cette nuit. Et moi, zéro. Donc là, je me sens mieux au niveau gastro. Mais je suis fatiguée. Je On suis. leur a même pas dit bonne. Ah! Eh ouais, On vous a même parce pas dit où on est, mais du coup, ouais! on est à Hawaï. Et oui, on est Eh à oui, c'est Hawaï! notre premier jour. On est arrivé ouais, hier soir, il devait être 22h30. Enfin, on est Ouais. arrivé à l'appartement, peut-être 23h, le temps de récupérer la voiture, de venir Et jusqu'ici. c'est ce que j'allais dire, en fait, normalement, on aurait dû tout vlogger, mais comme j'étais Eh malade, et ben on a oui. Du tout coup, arrêté on il y n'a a rien 3 jours. vlogué. On était déçus, hein. C'est pour ça, bon, on vous a pas vlogué le trajet, tout ça. Bon, après, la journée d'hier, ça a été 22 heures de trajet d'avion, d'aéroport et tout ça. Bah là, je vous raconte pas. C'était un peu galère. Ouais. Pour arriver à l'aéroport, pour trouver le loueur de voiture, il fallait prendre un bus qui nous amenait chez le loueur. Enfin, c'était un peu un bordel. Ouais. Et C'est bon, pour on a tout le monde, réussi c'est à normal. trouver assez facilement. Ouais, l'appartement, on a trouvé super facilement. On fera le room tour plus tard ou demain, on vous tiendra C'est au ça. courant. Du coup, Là, le aujourd'hui, on va aller programme de prendre la un petit journée, peu ouais. cool quand même, C'est sinon on part ça. un peu patraque et on est très fatigués parce qu'on a tous les deux pas beaucoup dormi, quoi. Oui, puis c'est le premier jour, du coup on Et va prendre ouais. nos marques. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la plage de Waikiki parce qu'on est à 5 minutes à pied de la plage. Je pense qu'on va rester là-bas une petite partie de la matinée, histoire de se détendre, de se reposer un petit peu. Faudrait faire un vrai repas, par contre, moi, ça fait Ah 4e jour que oui. j'ai pas Bah mangé un là, on vrai va voir si repas. sur le chemin on trouve un truc pour un petit déjeuner un peu à l'américaine, on va s'y arrêter. Ouais. Sinon, bah, on ira manger. Après, j'ai repéré, il y a plein de restaurants par là. Et après, une fois qu'on aura fini la plage, je pense qu'on va un peu se balader, visiter un peu Waikiki à pied, il y a plein de trucs à faire. Aujourd'hui, c'est assez cool. Demain, je pense qu'on prendra la voiture, on ira faire peut-être Pearl Harbor, peut-être des plages, il y a plein de trucs à faire. Ouais. Donc Demain, je bon. serai plus en forme, je pense. Oui. Je pense que ce sera Ben complètement. voilà, là en plus on est là une semaine à Honolulu, donc on a le temps vraiment de profiter de l'instant et pas faire tout en courant. Et c'est nos Du 10 coup, ans aujourd'hui! et c'est nos 10 ans. Ce serait Du bien qu'on se coup, fasse un repas! on va fêter ça, on va aller manger des burgers pendant 10 ans. Non, c'est vrai, parce que moi j'ai vraiment pas fait un seul repas depuis 4 jours J'ai repéré presque. des restos de burgers Ah qui ont l'air ouais. bon. Mais faut que j'aime du coup, parce Oh, bah que. c'est pas grave, hein, ça sera mes Arrête! 10 ans. T'es méchant! T'es bien méchant, Oh, je suis très Blondie. méchant. Bon, on part à la plage et on vous Ouais. retrouve après. À toutes. Oh là, chère menace, tu fais tête Oh dans là le oh là, vent. ah merde. Mais ouais. Bon, on s'est arrêté. Coffee Coffee Bean. Ouais, tranquille. Mais ton café, il est énorme, Bean. Il t'as. n'est pas plus petit. Ah, et ouais, on est aux En États-Unis. Americano, c'est ça la taille. C'est Bon, c'est énorme, super hein? chaud, quoi. Ouais, moi aussi. J'étais. Oh ouais! Ah, Oh! le truc, il est gros. Putain! Il Moi. faut attendre un quart d'heure avant qu'il J'étais en train de. soit comestible. Ah oui, là oui, hein. Tu vas te brûler sinon. J'étais en train d'essayer de réduire la mousse. Et on a pris ça. Mais c'est trop bon. C'est un smoothie de la marque Naked, du coup. Et c'est tellement, tellement. Du coup, c'est pomme. Non, pomme? Orange, mangue? Pomme, orange, C'est mangue. ça, banane. Et banane. Oh, c'est trop bon, truc d'ouf. Et t'as pris un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Il sent quand même. Et moi, je trouve qu'il a pas l'air très bon, mais il sent terriblement bon. Oh, ça a pas l'air mauvais, hein. Après, oui, c'est pain au chocolat d'ici, quoi. Oui, bah, c'est pas. C'est normal. Voilà. Ils l'ont fait chauffer, en fait. Ouais, il a l'air bon, vas-y. Ouais, ça a pas l'air mauvais. Ça me tente bien, finalement. Il est bon? Mais Pas ouais. ouf. Souvent, tu sais, les viennoiseries. Ah, mais oui, c'est sûr. Mais il a fait chauffer quand même. Du Non, coup, non, mais il est ça bon, quand même. sentait hyper bon. Bon, mais du coup, voilà, on prend notre petit déj. Il est quelle heure? À peine 9 h, je crois. 9 h, ouais. 9 h 06, donc ça va, on a le temps. Et on se retrouve plus tard. Bon, on est à la plage de Waikiki, Waikiki Beach. Ouais.
Bah, c'est bien conforme à ce que j'avais vu sur tous les forums, les blogs de voyage et tout. C'est un peu trop touristique en fait. Il n'y a pas de place. Je sais pas si vous nous entendrez parce que les vagues sont vachement fortes, du coup on les entend vachement. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, en fait c'est très touristique et la plage est très petite. Donc c'est pas super agréable, mais vu que nous on est vraiment à 2 minutes à pied de la plage. On peut venir quand même tous les jours. C'est quoi. Ça, on peut venir tous les jours. Il y a plein de surfeurs au loin. Bon, il y a beaucoup de débutants, ils sont tous comme ça dans l'eau à regarder les vagues. Ouais, c'est vrai. Il y en a certains qui sont assez bons, mais apparemment, ouais, c'est pas la meilleure plage pour venir à Hawaï. Ah, bah non, moi je crois pas une heure de route pour venir là. Ah, mais moi je le savais, j'en étais sûre et certaine. Oui, bah moi j'avais vu ça partout. Ils disaient la plage est très décevante, mais Waikiki Beach, c'est dommage d'aller à Hawaï et de pas venir. Ah, bah oui, c'est clair, mais bon, nous on viendra quand même un peu tous les jours, je pense. Bah, je pense, bah, vu qu'on est à côté. Mais c'est sûr que si vous attendez à. Quand vous regardez Hawaï 5.0, vous rêvez un peu, c'est mort quoi. Ah oui, non, mais il y a d'autres endroits qui sont magnifiques sur les plages. Oui, voilà, mais c'est pas à cette plage-ci quoi. C'est ça. C'est sûr que celle-ci c'est la plus connue, mais touristiquement. Ah, bah c'est la plus touristique. C'est la Cata. Ah ouais, non, là-bas, c'est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure, je regarde et je trouve ça magnifique. De quoi là-bas, la montagne, mais là-bas en fait, regardez. Comme tout le long de la plage, on sait que tous les palmiers. Ouais, c'est vrai que tout ce qu'il y a là-bas, c'est super joli. Et là-haut, c'est Diamond Head. En fait, c'est un volcan, c'est une cratère d'un volcan là-haut. Je pense qu'on le fera demain. Ouais. Après, c'est vrai que regardez la plage, vous voyez, il y a les immeubles qui sont juste au-dessus. Ouais, là, c'est fait. Il y a des gros bateaux et tout, donc bon. On va dormir, on peut reculer. Ouais, parce que là, il y a l'eau qui remonte jusqu'ici. Mais on profite. On profite. On s'est baigné, elle est bonne l'eau. L'eau, elle est super bonne. On s'est baigné, c'est vraiment, on peut y rester la journée tranquille. Même moi, ici, ah oui. Regardez l'eau qui nous attaque, Ouais, à plus tard. Bon les amis, on va y aller, on est rentré. Je sais pas du tout quelle heure il est, attendez. Ah, on entendait bien la clim visible. Il est midi 30, ça va midi 30. J'avais l'impression d'avoir traîné une éternité. Pas du tout. Juste ce qu'il faut. J'ai juste mis du baume à lèvres. Ouais, moi aussi. Et on fait du baume à lèvres. Bah ouais. Il faut s'hydrater les lèvres. Très important. Donc ouais, je me suis changée par contre parce que mes fringues étaient toutes mouillées. Du coup, l'eau est super bonne ici. Je me suis régalée à me baigner. C'était trop bien. T'as pas la réaction quand tu rentres dans l'eau directement. T'es bien. Chouette, ouais. À un moment, tu m'as dit elle est fraîche. J'ai dit c'est une blague. Ben, moi, la première fois que j'ai mis mon pied dedans, je l'ai trouvé un peu fraîche. Levier, mais en fait, non. Levier, c'est le thermomètre. Vous-même, vous savez. Donc bah, du coup on y va, je me suis pas pris la tête à me maquiner rien, il fait vraiment très très chaud. On a déjà pris des couleurs, un truc de dingue, Tanguy il a déjà pris un coup de soleil. Ouais vite fait. Ouais. C'était un peu coloré. Mais toi tu prends toujours voilà, moi quand je suis rouge j'ai marqué, ça va. C'est un truc de dingue hein. C'est parce que j'ai chaud à la peau. Ok. Bon allez, let's go. Hé hé, Noémie à contre-jour, on ne te voit pas. Ah, tu sentais ton manger. Ouais. Tu t'es dit qu'est-ce que c'est bizarre. J'ai peur d'être malade maintenant avec tout ce que je mange. Ouais. Donc t'es tout le temps malade. Ouais, mais bon, tu peux pas ne plus manger. Mais non, j'ai été deux fois malade. Bah oui. Mais c'est quand je mangeais pas à la maison, pourtant ça avait rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Bon, du coup, on s'est arrêté au resto juste à côté de la plage, là où on était tout à l'heure. Regardez, on a vu sur la plage. On est juste derrière les beach guards, là. Lifeguard. Ouais. Et donc, moi j'ai pris un mix plate, donc c'est un plat mixé avec un peu de tout. Donc, il y a de la viande, du poisson et du poulet. C'est un mélange de tout. Et Noémie, elle a pris poulet teriyaki. Ouais. Ça a l'air bon. Hein. Bon, on est en mode course comme à la maison. C'est ça. On voulait s'arrêter sur la route pour venir au Target, au palais Imolani. On a rien compris là. Je sais plus comment il s'appelle. Au palais ou au Target? Le palais, à la base, on voulait aller au palais. Oui. Là, et en fait, il y avait plein de parking, on a trouvé à se garer. Mais il fallait payer avec des pièces. Et on a laissé tous nos sacs de pièces à l'appartement. Du coup, dommage. Ben, on a ouais. dit on ira demain parce que bon. C'est pas pratique aux États-Unis. Nos cartes ne passaient pas, du coup, ben, voilà. Pensez à avoir des pièces sur vous. Putain, c'est vraiment la merde ces cartes. Hein. Et ouais. Y'a rien qui fonctionne. Bon bah du coup on fait les courses parce qu'il y avait un Target pas très loin, on a besoin de certaines choses. Bon par contre on a mis une heure à venir alors que c'était qu'à 10 km parce que on utilise le GPS maps.me et ça indique pas super bien les sorties sur l'autoroute et on a loupé 5 fois la sortie. En vrai je m'endormais à chaque fois. Ouais, après on est revenu, Noémie elle est au bout du rouleau. Là parce qu'en France il est 3h du matin, du coup elle est en plein milieu de sa nuit comme ça. On est rentré à l'appartement chercher les clés de la voiture. Le temps que je regarde sur le GPS où il fallait aller, t'es comme ça en train de dormir et de baver partout. Donc là on va est-ce faire que c'est normal, sur la route, elle faisait GPS humain mais comme ça. À un moment. Il faut qu'on achète aussi un truc pour charger le téléphone dans la voiture. Ah oui, moi j'ai plein de trucs à acheter. Attendez, je vais me limiter moi-même.
à un moment, j'étais devant, j'étais vraiment en train de regarder la route comme ça, et j'ai fait... Ça c'est quand t'es au bout du rouleau. Et le problème c'est que t'as pas dormi hier soir non plus. Donc j'ai regardé le téléphone. Eh oui. Je bon allez. Je peux pas laisser aller, tu vois. Je peux regarder. Coucou. C'est pas vrai, on n'a pas fauté, pourquoi mon petit chat est demandé comme ça? Bah en fait hier en revenant du Target, Noémie elle a fait ça sur la route. Arrivée à la maison, elle a fait. Bref ça. J'ai dormi jusqu'à ce matin, 4h du matin. Voilà. Elle a dormi 12 heures d'affilée. Et ouais. J'en pouvais plus, franchement, comme j'étais malade et tout, j'en pouvais plus, mais voilà. J'étais au fond. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Ouais, et on clôturera ce vlog là parce qu'aujourd'hui, on est le lendemain, on commence un nouveau vlog parce qu'on a trop de choses à vous montrer. Allez, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc, mes chères menaces, bienvenue dans la cuisine. Ouais. On montrera le room tour dans l'autre vlog, sinon celui-là, il va être trop long, ça va être chiant. Donc, hier, on a acheté bien évidemment des Oreo Tings là. Tings, c'est des Oreo très fins qui sont vraiment vraiment trop bons. Même toi qui aime pas trop ce genre de truc, tu vas aimer, non? Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment très bons ceux-là. Par contre, attention, apparemment, il y a 10 000 cafards. On en a croisé 3 depuis ce matin. C'est ça. Tu les as mis où? T'as mis où notre bouffe là? J'ai tout mis dans le placard là-bas avec les verres. Dans le placard là-bas, j'allais les mettre, hein? Ouais. Non oui, parce qu'il y a marqué partout. Laissez tout propre parce qu'il y a beaucoup de cafards. Les cafards arrivent très vite. On avait acheté ça aussi. Des petits bonbons. C'était pour me réveiller hier, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout. Ça n'a rien à voir, c'est mon livre, les gars. Qu'est-ce qu'on a acheté? Ah oui, on a acheté un miroir Tweezerman. Mais par contre, c'est une bête. Tu vas y arriver. Et ouais, mais du coup, il est collé. Ah. Un miroir Tweezerman qui s'allume avec la pince à épiler. Enfin, c'est pas vrai. Ça, c'est un bras, genre ça, c'est 25$ la pince à épiler. C'est aussi cher en France qu'aux États-Unis. Donc, j'ai perdu ma gamme, donc je l'ai racheté. On a acheté des étiquettes, mais on va y retourner. On va faire des trucs pour le back to school pour préparer la série back to school quoi. Donc plein d'étiquettes comme ça avec des effets marbre et tout, elles sont trop belles. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des bics, t'as vu qu'ils sont beaux ces bics? Ouais, des bics métalliques. Ouais, ils sont beaux hein. Ouais, très beaux. Ici t'as envie de tout acheter, putain c'est chiant. Une garde mes achats. J'ai acheté un shampoing sec parce que je l'ai terminé et un retouche racine parce que je l'ai terminé. Donc j'ai pris celui que je prends d'habitude là, mais dark brown. Alors d'habitude je prends dark, mais comme j'ai les cheveux beaucoup plus clairs, forcément. Il est plus grand, j'ai l'impression. Ou il est plus en longueur. Et j'ai racheté ce shampoing sec là. Enfin, j'ai acheté, c'est la première fois que j'achète de chez Dove. Il n'y avait pas ce que je prends d'habitude. On a acheté 4 bouteilles d'eau comme ça. Pensez à acheter des bouteilles d'eau comme ça et mettez-les dans vos sacs parce que sinon, genre hier c'était 4$ la bouteille d'eau. Oui, au restaurant c'était super cher quoi. Ouais, pas normal de payer si cher pour une bouteille d'eau. Alors que là c'était 60 centimes la bouteille quoi. Ouais, voilà. Après, de toute façon, c'est toujours moins cher dans les supermarchés que. Ben là, genre. Ouais, il y a des lumières, j'avais pas vu, regardez. Ah, ça marche pas. Ça ne marche pas. Bon, dommage. Le prix d'une bouteille. En plus, elles sont pas bonnes ces eaux. Ni celle-là, ni celle du restaurant. C'est pas des eaux de source. Des eaux pures, purifiées. C'est des eaux purifiées et du coup, elles ont pas le même goût que d'habitude. Ouais. Enfin, ouais, c'est pas pareil que. Du coup, ouais. Les 4, ça nous a coûté moins cher qu'une au resto hier, pour vous dire. On a acheté ça de chez Starbucks, c'est les réfraîchats. Hibiscus. Hibiscus, ouais. Et on les aime beaucoup. Et ça s'achète à la maison, ça? Je ne sais pas. Oui, c'est possible, j'en ai déjà vu des trucs. Alors, je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais j'ai déjà vu des trucs comme ça. Ah, j'ai reçu un message, je crois. Non, je crois pas. Ah ouais ? Bon, bref. Ah oui, j'ai acheté une miniature aussi d'une lotion bébé Johnson pour mes bras. Parce que mes bras, ils sont relous. Surtout, j'ai acheté 2 mascaras parce que ils me donnaient trop envie. Ça n'a pas trop envie de cette couleur ? Pas spécialement, mais ouais. Mais si, regarde, ils sont mignons. De chez CoverGirl, c'est le Total Tease et celui-ci, c'est le The Mega Plush de chez Maybelline, version waterproof, que mes cils, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté, bougez pas les gars, j'arrive, des colpottes, dans l'espoir de me requinquer. Ah ben, c'était pour ce matin. Bon, trop tard. Moi, je peux en manger parce que j'ai pas assez mangé. Ah ben, on va en prendre là, vu qu'on va aller après à Diamond Heads, mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Donc demain, hein, bien sûr. Ouais. On rejoint tous les jours là. À mon avis, tous les jours, tous les deux. Ouais, je pense que oui. Je pense pas qu'il y a un jour où on va pas vlogger. On va faire trop de choses tous les jours pour pas vlogger. C'est ça. C'est impossible. On a acheté du jus d'orange. Il est bon. Il est comme celui-là. Il est très bon. Par contre, ici, je voulais prendre un petit jus d'orange parce qu'on est là qu'une semaine. Les jus d'orange, le plus petit qu'il y avait, c'était 2 litres. Donc bon, c'est le problème des États-Unis. Tout est énorme. Ouais. On peut pas acheter des petits trucs. C'est chiant. Des formats poche. Bah ouais, c'est pas pratique. J'ai acheté aussi autre chose, une boisson. Mais voilà, mais je vais la laisser là avec les trucs de l'appartement parce que j'aime pas.
C'est de chez Maxwell House. Et c'est un mocha latte et tout, mais il est pas bon. Les boissons instantanées, c'est pas mon truc. Vraiment. Enfin, il est pas bon, non, j'aime pas. Ouais, voilà. Il n'est pas à ton goût. Il n'est pas à mon goût. Donc un voilà, on a pris du jus d'orange. On a pris du Coca-Cola aussi. Je vais en boire pour me booster un peu. On a pris, ouais, des petites canettes. J'ai l'impression qu'elles sont plus petites que chez nous, mais en fait, c'était dans le rayon que ça paraissait plus petit. Ouais, non, en France, elles sont plus grandes et les petites sont plus petites. Ah oui, il n'y a pas de cette taille là. Ça c'est entre deux, c'est bien. Ouais, voilà, ça fait l'équivalent d'un verre, ça fait 20 ml. Et ça c'est vraiment le genre de chose que normalement on enfin, achète non, pas, mais 200 ml. C'est pour me requinquer. Ah non, on n'a pas de coca là, mais faut quasiment. Non. Enfin, là en canette c'est pratique, et puis si on le boit pas, bon, on le laissera là pour les prochains. Exactement. C'est tout. Il y a la boisson du Burger King d'hier. Et ben ah non, bougez pas. J'arrive. Donc j'ai acheté, malheureusement à Target, c'est compliqué de pas acheter celles parce qu'elles sont toutes très jolies. Il y en a vraiment de tout, c'est dommage que j'étais vraiment pas en forme. Mais si on y retourne pour le back to school, vous achetez des trucs et tout, que je vous prépare plein de trucs. La main silencieuse. Discrètement. On est bien plus en forme, hein. Attendez, eh oui. Monté le vlog et moi je l'ai regardé du coup à 4h du matin. On était un peu fatigué, hein. T'es pas très enjoué, hein, ouais. Quand même, hein, c'était caché à l'intérieur. Donc un essuie-main comme ça, enfin oui, considère que c'est un essuie-main, ça sera très joli dans notre salle de bain actuelle. On n'a plus notre salle de bain, donc c'est un peu con, ce que t'en guillemets dit, mais bon. J'aime beaucoup, j'ai pris la même en grande, comme ça. La grande était pas chère, 15$, par contre la petite était chère, 12$. C'est un peu un juste milieu bizarre. Et j'ai pris un tapis qui est vraiment très très beau. En même temps, il l'a trouvé très joli. C'est vrai qu'il est assez sympa. Il est magnifique ce tapis. Mmh. Pareil dans notre salle de bain, ce sera très joli. Donc voilà, écoutons, on va clôturer ici. On vous retrouve. On garde les mêmes horaires. Oh oui, je pense qu'on mettra. Après, on verra en fonction du. On n'a pas trop le choix parce ouais. que nous, on a un gros décalage. C'est ça. Et je pense si qu'on va le mettre tous les soirs à 17h. C'est ça. Voilà, on vous rejoint tous les soirs à 17h. Parce qu'au moins, le temps qu'ils se mettent en ligne, sinon on le met le soir. 17h pour vous, ça fait 5h du matin pour nous, donc voilà. C'est bon. Alors que si jamais on vous le met genre à 10h30 tous les matins, c'est pas possible en fait parce que nous, ça va nous décaler d'un jour finalement. Voilà, on va devoir pas. Vous laisser un jour sans vlog. Ouais. Donc on se retrouve tous les jours à 17h. 17h ? Ok. 17h30. Moi je préfère 17h30. Bah alors 17h30. Ça laisse une demi-heure de... en plus au cas où il y a un souci. Voilà, donc 17h30. Voilà. Tous les jours, tout l'été à 17h30. Et c'est trop cool, non ? Je suis trop contente. Bah ouais. J'espère que ça va vous plaire, les gars. Du coup, il n'y aura pas de distinction samedi, dimanche. On mettra tous les jours à 17h30. Voilà. Et voilà. Le vendredi, la semaine, le samedi. Enfin, surtout du moment qu'on est à Hawaï, parce qu'avec le décalage, on n'arrivera pas sinon. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc on vous retrouve demain pour un prochain vlog. À 17h. À 17h. Demain, on vous fait le room tour de l'appartement. Ouais, on a un appart trop bien. Il y a genre deux chambres, deux salles de bain. C'était pas du tout prévu. Non. On n'a pas eu le choix, mais. On vous expliquera tout ça dans le prochain vlog. Ouais, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit. À bientôt. Bisous.